Je ne prendrai pas vos choses.
Je vais seulement poursuivre mon chemin. Israël a bien appelé son chemin le chemin royal. Je ne poursuivrai que le chemin royal. Je ne boirai ni de ton eau, ni ne mangerai de ton pain. Et le chant qui est en train de retentir vous montrer que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et sur la terre, il y a la vie du monde. Il y a aussi la vie du monde de la terre. Mais nous ne faisons que passer sur la terre. Et nous n'allons pas toucher à leurs choses. Si les gens du monde se plaisent au mini-jupe, nous n'allons pas adopter cela. S'ils se plaisent aux impudicités, nous ne serons pas conduits par les impudicités. L'orgueil et toutes ces choses ne nous appartiennent pas. Nous sommes ici des étrangers. Effectivement, c'est une belle chanson et c'est peut-être notre vie. Et c'est la plus bonne de toutes les choses. Et le Seigneur bénisse richement les chantres et maman Agnès en particulier. Et que le Seigneur fasse encore du bien en abondance. Qu'il puisse encore ouvrir beaucoup de chemins pour l'œuvre du chant. Il faut que bah aussi que bah chante à un combattant. Nous devons aussi savoir que les chantres ici à combattant. Déjà dans le studio, ils ont travaillé par la grâce de Dieu. Ils sont déjà dans les studios et ils travaillent les chants par la grâce du Seigneur. Il faut pour soutenir service, nous faisons ça. Et nous devons les soutenir dans tous les services qu'ils font. Je pense que dans Souka, tant pour ça, dans service, nous soussons. Et je pense qu'à la fin, lorsqu'on aura fait notre service, pour nous parler bien, pour aussi, nous allons aller à chaque lundi qu'on travaille, dans le studio. Et nous saurons aussi vous montrer comment est-ce qu'ils travaillent au studio chaque lundi. Oh, ils ont toujours pas beaucoup entendu. Parce que c'est toujours à la gloire de Dieu. Dernièrement, on m'a dit qu'il faut s'en oh, bah, c'est ce qui va tomber, c'est 8 000 francs. C'est 8 000 francs, donc. Ouais. Ça m'a passé ça avec ces 8 000 francs. Comme ça, on va dire, on est. Non, parce que là, tu es si bien qu'il était Seigneur. Que le Seigneur a supervision vraiment à vous rassembler. Que le Seigneur nous assiste par l'amour de Dieu. Donc, assister par vous, les lots. Que nous puissions assister les chantres aujourd'hui dans les services que nous aurons demain lundi. Mais nous lisons dans le texte d'Apocalypse 2, verset 17. Mais nous lisons d'abord notre texte d'Apocalypse 2, 17. Et nous allons lire aussi psaume 68. Et nous allons lire aussi psaume 68. Lisons au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom, que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. À partir du verset 4. Psaume 68, le verset 4. Tiens, un verset 14. Jusqu'au verset 14. Je demande de Jésus-Christ. Amen. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Père des orphelins, les défenseurs de veuves, mon côté du bas, c'est pas pour faire ça. C'est Dieu dans sa demeure. C'est sa ligne, ça
Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs. Et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans le lien arrêté. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton père, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fendirent devant Dieu. Les Sinaï se branla devant Dieu. Les dieux d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante pour Dieu. Tu fortifies ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays. Que par ta bonté, oh Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit les paroles. Et les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Le roi des armées fuit. Et celles qui restent à la maison partagent les mitins. Tandis que vous reposez au milieu des étapes, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Et son plumage est un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans les pays, la terre devint blanche comme la neige de Tsalon. Je m'arrête au verset 15 de psaume 68. D'abord, tous en bas heureux parce que le Seigneur a séparé vos péchés sa propre parole. Nous sommes heureux parce qu'il a plu à Dieu de nous donner sa propre parole. Ce qui est toujours dans la parole, les impôts, il y a une guérison, ça fait que vous êtes au cas. Si nous recevons la parole, c'est par son amour et non parce que nous sommes parfaits. C'est la grâce en amour. C'est la grâce de Dieu. À chaque fois, nous allons la reconnaissance. C'est pourquoi chaque fois nous lui serons reconnaissants. Quel que soit le problème, vous pouvez la mission. Qu'est-ce que soit le problème qui pourrait nous arriver? On va toujours tous en bénir de l'Éternel. Nous dirons que tout ça ne va pas pour la vie ou à Yahweh. Attends, tous en lien à Yahweh, ma boucle. Même si nous manquons de l'argent, on a. Attends, ça va pas pour la vie à Yahweh. Nous allons confesser que nous sommes des bénis de l'Éternel. Les hommes ont jugé bon et pour pardonner nos péchés. Parce qu'il a jugé bon et pour libre, ça va s'ouvrir. Si mes hommes ont la Bible appelle dans Romains 4 que Paul a reçu le pardon du péché. Celui qui a reçu le pardon du péché a des abonnés. Les années c'est quoi abonné? Paul nous a accompagné dans les péchés de mal. Celui que le Seigneur a délivré dans le mal, il faut louer le Seigneur. Il doit louer le Seigneur Dieu. Et c'est ça la grande bénédiction. Il y a côté du pas poli abonné. Et quand Dieu a joué, et lorsque le Seigneur te prend, alors on lui a une vie mauvaise. Il te fait quitter dans la mauvaise vie, à sanctifier ta vie. Il sanctifie ta vie. Vous allez très reconnaissant. Le Seigneur dit autant d'ailleurs pour lui passer la mort de Dieu sur terre. Le Seigneur ne le fait pas à tout le monde. Assois ta crainte de Dieu dans ta tête. Et mettre la crainte de Dieu dans ton cœur. Passer la mort et pas mon Dieu sur terre. Le Seigneur ne le fait pas dans la vie de tout le monde. Proverbe 15 et le livre. Proverbe 15 et 16. En verset 26. Au verset 26. J'ai le nom de Jésus-Christ. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Verset 5. Il y a 25 dans 26. 25 dans 26. Romains 15. Proverbe 15. Proverbe chapitre 15. Verset 25 et 26. Le verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Yahweh a quoi sa tata pour la lente. Nous sommes orgueilleux. Donc si tu es orgueilleux, maison à eux. Il n'y a pas un autre chemin. Les actions, c'est un ministère. Même si c'est le ministère, ça va quoi battre cette. Le Seigneur va renverser ton ministère. D'abord, ça c'est la loi de Dieu. Il y a pas de mon père qu'on t'avait à tiens. Ce qui est une activité, ça ne va pas arriver à quoi battre. Même si c'est que l'activité, le Seigneur va battre. Nous avons mon côté, nous avons mon corps. Mais il a fermé
les bornes de la veuve. Kasi akengisaka bamitelo ya mwasi akufela mobali. Les pensées mauvaises sont en horaire à l'éternel. Makanisi ya mabe ezali nkene liboso ya Yahweh. C'est là-bas où on a le bagage à nos os. Les combats, ils avancent. C'est là que je dis à tout moment qu'il y a les combats dans ta vie. Il faut tes pensées à la sanctifier. Ce qui est macanisme à eux, vous les avez. Ce qu'on a dans ma pensée mauvaise, ce qui est dans ma macanisme, il y a pas besoin un problème dans la vie. Sache que tu entres en problème avec le Seigneur. Pensez qu'à seulement les pensées. Ce qui est dans ma pensée, si c'est tes pensées sont toujours mauvaises, vous avez comme un problème dans la vie. Sache que tu es en problème avec le Seigneur. Quand il y a un problème, mon côté, nous t'attrapons dans aucun problème. Mais le fait que tes pensées sont mauvaises, le fait que ma carisse ne s'agit pas comme ma vie, le Seigneur a peine à guérir la licamboua. Le Seigneur a horreur de tes mauvaises pensées. Mais les paroles agréables sont pires à ses yeux. Les paroles agréables sont la parole de la foi. Donc les paroles agréables sont la parole de la foi. Ma parole est selon l'enseignement de Dieu. Si tu as ta maison, la maison dont je parle comme le travail. Un service ou ça. Et comme les services que tu fais par activité, tes activités, maison comme aussi ma projet Nayo, la maison comme tes projets aussi. Et si maintenant l'orgueil les a érigés dans la tête Nayo, la saison qui l'on l'a donné tout à l'heure, cette maison-là, le Seigneur va abattre. Le Seigneur va abattre cette maison pour ne plus exister. Ça, c'est l'éternel qui le dit. Voilà, Yahweh, dans cette colombe, parce que Dieu résiste aux orgueillés. Oui, que Yahweh a télévé la cabane de il fait grâce aux uns. Ça sera quand vous n'avez pas mis qui dit ça. Il faut que ton cœur, ton âme, et ce qu'il est démonté, m'a témoigné, m'a témoigné. Pour élever le Seigneur. Sache élever le Seigneur Jésus-Christ à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans les textes d'Apocalypse 2, verset 17, on a lu notre texte d'Apocalypse 2, 17. Dans l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame. Tout en dit Oyo, et ça comme les fouti na Simaya, et tomba Oyo, église à Liki. On a parlé de ce qui est comme récompense après le combat que l'église a enduré. Donc, tout en dit si bien que récompense est faite sans encasser qui nous assiste pour Israël. On a montré que la récompense est donc après avoir fini la course. Aussi ici vient aller sur terre. Tu as fini ta vie ici sur la terre. Et t'as quoi récompense pour Yahweh. Alors le temps de la récompense viendra. Maintenant, l'église est perdue. Mais dans l'église de perdue, bien. Et ça a deux récompenses dans la terre. A deux récompenses que le Seigneur a mises là. Il faut aller au Yahweh, madame Yahweh. Tu dois d'abord savoir ceci. Message de l'église Nyos. Le message de chaque église. Ils ont conservé l'église. Ils concernent aussi les autres églises. Il y a beaucoup moins de sont dans les textes de l'église d'Éphèse. C'est pourquoi en lisant les textes de l'église d'Éphèse, tant ou pas ali, koloba, na, souka. Lorsqu'on parle à la fin là-bas, que celui qui a des oreilles, ou ya sali na matoui, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ayo kabo moli moussante zolobla na ba l'église. Ils ont commencé. On a écrit Éphèse, mais on a cité encore toutes les églises. On a écrit à l'église. On a cité toutes les églises à la fin. C'est pourquoi on avait pris un exemple. Lettre à Corinthiens. La lettre adressée aux Corinthiens. Mais ça peut-il qu'on a pris sur l'église? À Tchoko et à combattant. Mais cette lettre nous est aussi utile ici à Tchoko à combattant. L'église va comme une lettre, va comme une libre à Colosse. La lettre, on l'a adressée à ceux qui sont à Colosse. Ça peut être utile, mon ami. Elle nous est aussi utile aujourd'hui. Parce que nous sommes membres d'un seul corps à Christ. Parce que nous tous, nous sommes les membres d'un seul corps qui est Jésus-Christ. Nous avons toujours des témoignages. C'est pourquoi on avait pris des témoignages. Lettre au corps à combattant qui va tout bazar à la Odyssée. La lettre que Paul avait adressé à ceux qui sont à la Odyssée. Alors pas qu'ils soient battus à la Odyssée, parce que c'est autant. Il avait dit si ceux de la Odyssée finissent de la lire, ma paix ça va tout bazar à Colosse. Il puisse aussi la donner à ceux qui sont à Colosse. Tout est bazar à Colosse, et
et ceux qui sont aussi à Colosse, parce que c'est la lettre, à la fin de la lecture de cette lettre, ils puissent envoyer leur lettre à ceux qui sont à la Colosse. Là, on avait lu Colossiens chapitre 4, verset 16, au verset 16. Pourquoi je dis ceci? C'est toutes les récompenses qu'on parle dans chaque église. Les alliés pour toute l'église du Seigneur. Elles concernent aussi toutes les églises de Dieu. Il y a autant pour temps dans l'église à Pergam. C'est pourquoi lorsque nous remarquons dans l'église de Pergam, les récompenses et les accords de gloire. Les foutes, les alliés de Dieu. Il y a un moment qui manque. C'est pourquoi on avait vu la manne cachée. Corps de gloire. Et sa promesse pour nous maintenir son contact, garder la foi. Et ça dit, la carte pour nous maintenir son bâtiment continuellement. Il va porter le corps de gloire. Et c'est ça la manne cachée. Et par sa récompense, va couper ça un caillou blanc. Et on lui donnera aussi le caillou blanc. Il y a un peu maintenant toujours le bel appareil en un caillou. Blanc. C'est pourquoi ici nous parlons du caillou blanc. Total, ce qui est déjà mal caché. On avait déjà montré la main cachée. Tout ce qui va texte dans l'histoire. On avait pris nos textes. Exode 16. Exode chapitre 16. Tout ce qui d'abord verset 31. Le verset 31. On a parlé que la maison d'Israël va venir qui la nourriture pour les enfants qui disent. Là-bas, on a dit que la maison d'Israël donna le nom à cette nourriture qui était descendue. Le nom de la manne. Après ça, il y a beaucoup de manne. La manne est là qui, dans la forme, il y a la graine, il y a le corion. Donc, il y a quelqu'un qui a le corion. L'élément toujours qui d'abord est la graine. L'élément qu'on avait pris, c'était Zalaki Mouma Molona. Alors, tout le monde qui a 1 Corinthiens 15. On était allé dans 1 Corinthiens 15. Verset 36 et verset 42. À partir du verset 36 jusqu'à 42. On a besoin de comparer grain à forme et à corps. Là-bas, on compare les grains au corps. Alors, dès que vous saisissez quand même. Alors, on avait quand même saisi. Que corps. Le corps. Oui, on puisse se poser en amont par tout le monde. Que nous tous avons. Et bouffant. Meurt. Et le bien-aimé sous la vie permet un bon corps corruptible. Nous prenons tout le bébé, sa matinée et pour la table. Mais ça permet un corps où il y a un corps de la promesse. Il y a aussi un corps de la promesse. Oui, le bien-aimé la vie, le corps de gloire. Nous autres, il y a qu'un bon pour la mise en vie. Corps incorruptible. Nous autres, il y a un bon bébé, sa matinée. Pour ramener un bon à l'écamorman. Nous l'avons ramené dans ce qui concerne la mort. Un qui manque les jours qui t'en apprennent les jours. Deuxième, troisième, quatrième. On avait vu la mère qui descendait les cinq premiers jours. Et ça l'a pris au bord la souris qui est dans le jour suivant. Et ces mâles subissaient la corruption au jour suivant. Moi, les aïe, quand elles allaient. Qu'est-ce que cela représente? Les aïe, quand elles allaient. Cela montrait. Adam a pu. Depuis la chute d'Adam. L'Iwa et ça l'a collé à tout le monde. La mort était sur tout le monde. Parce qu'elle trouvait ça Jean 10. On avait donné Jean chapitre 10. À partir du verset 20, à verset 21. À partir du verset 20 à 22. On a trop expliqué Bichot. Là-bas, on nous explique dans Job. Dans Job. Que la mort était l'Iwa. Avec la mort. Et qu'on appelle. Pays d'obscurité profonde. Mokaya Mimili tout. Pour elle, les ténèbres. Or, le premier jour de la création, lorsqu'on présente mon lit, lorsqu'on présente ces ténèbres, le Seigneur avait nommé ces ténèbres-là. Lui. Donc, on a Job 10, il avait dit la mort aussi nuit. Comme dans Job 10, la mort aussi est appelée la nuit d'obscurité. Tant que nous avons la manne, lorsque nous voulons la manne, le premier jour, sont au bon bien. Si tu la conserves, et l'équipe où tout est poli, et qu'elle passe au deuxième jour et subit la corruption, tout va miser les mouillants. Et cette nuit-là, c'est le signe de la mort. Donc, corps, c'est corps ici, la manne, ne va pas vaincre la mort. Ne parvient pas à vaincre la mort. Là, ils ont été salués et maintenant, sur un cas en Christ. Là, tu as représenté tous ceux qui étaient venus à la vie rétinie par la mort. Bambo, ma soeur, ma qui te va calmer, ma qui la couffa. Mais Jésus aussi a été comme un corps. Mais Jésus aussi était venu comme un corps. À Botami, c'est la loi. Il est né sous la loi. Selon Galates 4, verset 4. Selon Galates 4, verset 4.
lui né d'une femme, n'est pas soi. Or la loi est à 6 jours. Or la loi c'est le meilleur jour. Dans le sens, dans le langage de la loi. La loi, langage dans les années 6 jours. Et langage de la loi c'est 6 jours. Dieu a donné à l'homme 6 jours. Ça veut appeler ça mon tour, mon colo, mon toba. Le 7e jour c'est son jour. Mon colo a sambonné, mon colo n'a été abonné. Que l'homme a posé à 120 ans. Il avait dit que l'homme sur la terre fera 120 ans. Celui qui nous dit l'homme a posé à 120 ans. Si nous cherchons cet homme qui fera 120 ans sur la terre. Dans l'Éternel 34. Nous lisons l'Éternel 34. Moïse a ça à 120 ans. Moïse fit 120 ans sur la terre. L'homme de 120 ans c'est Moïse. Mon tour, il y a mis 120 des animaux. Il va baisser l'homme. Et on a donné à l'homme 6 jours. Nicolo, mon toba. Le 7e jour. Mon colère sans les jours du Seigneur. Les amis, mon colère en colo. Tant qu'on saute aux hommes, la manne et son poéa. Et tout le temps, nous voyons la manne des saints. Pendant 6 jours. Ma Nicolo, mon colère. Et ça, tout le temps, il y a loi. Les amis, tant qu'on y a ce yamombe. Alors, Galates 4, verset 4. Alors, Galates 4, verset 4. Et confirmer ce que Christ est né sous la loi. Nous confirmons que Christ est né sous la loi. Donc, cela veut dire. Mais les Nicolo, comme son corps aussi. Le corps a d'autres mains. Les amis de man. Donc, le man est le 6e jour. Mais la man est le 6e jour. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que le 6e jour, papa, ça a deux mesures. Parce qu'au 6e jour, on a deux mesures. Mesure, mon corps va baisser. Donc, on l'a encore dans le 6e jour. Une mesure sera consommée au 6e jour. Mais pour ce souper, va baisser le 6e jour. Mais l'autre mesure donnée au même 6e jour. Tiens, ma moto. On va les faire passer au feu. Ce qui continue la moto. Et si cette mesure entre au feu, et qu'on traverse pour toi, ça va traverser la nuit qui s'est faite. La bonne va coller à la 7e. Et c'est ce qui sera consommé au 7e jour. Maman va tomber à Kawan. La femme qu'on fait passer au feu. Oh, il faut les capoter. Et l'on va boutou qui vient ma 7e jour. Il doit vaincre la nuit pour être consommé le 7e jour. C'est la personne de Jésus-Christ. Et ça lui est monté sous cuisine dans Luc 12. Et c'est lui dans Luc 12. Verset 49 jusqu'à 50. Verset 49 jusqu'à 50. Il dit ceci. La parole de Dieu a dit au commun, je suis en train de persécuter sur la parole de Dieu, celui qui entre sur le Seigneur nous la donne. Et là, on se trouve ça à les intérêts à louer le Seigneur. Il n'y a rien à faire sur la terre si ce n'est de louer le Seigneur. Dans la vie, nous avons un sens. Ta vie a un sens. Oh, tu me dis Jésus. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mon animé dit Jésus, tu n'as pas fait travailler à un animal. Celui qui n'a pas cru au Seigneur, on l'appelle animal, Nyama Zamba. Il n'y a pas le rapport animal. Moto Nyama. Donc, animal peut manger pour les étangs sur la mandoquin. Et l'animal on peut le manger à tout moment que veut le sorcier. Mais ils ont ça des coups. Mais toi tu es vraiment un homme. Quoi ça là? On ne peut pas jouer avec toi. Donc vie a eu du sens pour quoi la parole? Ta vie a reçu un sens parce que tu as cru à la parole. Pas pour glorifier le Seigneur. Pour être savoir glorifier le Seigneur. Nathalie verset 49 la semaine. Il y a Luc 12, je l'ai demandé de Jésus-Christ. Ah. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Naïe, pour voir qu'à mon tour, n'a pas béni. Et qu'ai-je à désirer? J'ai mis les sous sur la salle. S'il est déjà allumé, ce qui monte en messie est béni. A juste dit que ferme. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et Zanine a dit baptisé, mon père Sengeni n'a pas dit ça. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Mais bon, les hommes, mais la prenda, il y a un peu comme ça. Jésus a appelé l'œuvre de la croix baptême de feu. Jésus a appelé l'œuvre de la croix le baptême de feu. Dans l'œuvre qui va accomplir. On a mis en haut et ils ont baptême de feu. Pourquoi Jésus a appelé le baptême de feu? À soi quand on a 2 Rois chapitre 25. Jésus le prend dans 2 Rois chapitre 25. Dans 2 Rois 25. Parce que l'armée roi 25. L'armée babylonienne. C'est l'armée de Babylone. Et il y a qu'à Kotumba, la maison de Dieu. Et qui est venu brûler la maison de Dieu. Amen. Et baptisa la maison de donc, Dieu. Donc on avait feu. Baptisé la maison de feu. Parce qu'il fait ça la signe de souffrance. Oui, démontre que ça vient les mots, il y a mignon. Il y a beaucoup de Jésus-Christ.
C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 20, il dit dans lorsqu'il retournait à Jérusalem. Lorsqu'il retournait à Jérusalem, il dit dans Matthieu 20 à partir du verset 17 à 19. Dans Matthieu 20 à partir du verset 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Et il leur dit en chemin. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Et aux scribes. Ils les condamneront à mort. Et ils les livreront aux païens. Pour qui se moque de lui. Les battent de verre. Et les crucifient. Donc Jésus a remarqué. Jésus avait dit, les années va païens ne va vous crucifier. Ce sont les païens qui vont les crucifier. Les païens ne va vous obéir. Ce sont les païens qui vont les battre de verre. Pourquoi Jésus avait dit ça? Pour la maison de Dieu, les amis Israël tenaient quoi sa maison? Parce que ce n'était pas Israël qui avait détruit le temple de Babylone, la maison. L'armée de Babylone qui l'avait renversée. Nebuzaradan, chef de l'armée. Nebuzaradan, le chef de l'armée de Babylone. L'armée Babylone. Bangona, Nebuchadnezzar. C'était eux, Nebuchadnezzar. Bangona, Nebuchadnezzar. C'était eux qui avaient brûlé. Oh, Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu. Jésus-Christ, ce n'est pas quoi. Il fallait que les païens ne brûlent. Et c'est que la quête ne va pas dans le pays de Babylone. Que Dieu bénisse. Ah, il y a un peu le sacrificateur va vous condamner. Il a dit que les sacrificateurs vont les condamner. Et ils vont les livrer entre les mains des païens. Les baptêmes de feu qui a le miroir. Les baptisements qui a le miroir. Ce sont les païens qui doivent enflammer ces feux. Et ça dit, papa, là, nous ne serons pas tiens morts. Donc, abandonné par vous tomber à la maison. Ce sont eux qui doivent brûler la maison de Dieu. Là, il parlait. Voilà, ça là qui colombe. Un sacrifice à eux. Mais après ces sacrifices, tu dois savoir qu'il va vaincre la mort à Bonima. Il est celui-là qui est passé par le feu et traversé tout et qui a traversé la nuit et le septième jour, nous en tambour aujourd'hui. Et le septième jour, nous la consommons. Dieu bénisse. Ah. Maintenant. Maintenant, lorsque nous mangeons cette ésopéna, blé d'ipi. Cette manne est appelée blé d'ipi du Canada. Qui Dieu bénisse. Ah. Là, tu expliques, tu l'avons déjà. Là, nous l'avions déjà expliqué. Et tant que vous avez blé d'ipi. Et lorsqu'il mangeait le blé d'ipi, là, tout en arrivant à Josué 5. Là, on avait lu Josué chapitre 5. Verset 10. Verset 10. La 11. 11. Bible dit la manne, c'est ça. Le manne est si la cape. Je vous avais montré ceci. Israël avant à côté territoire la promesse. Israël avant d'entrer dans les territoires de la promesse. Dans Josué chapitre 1er. Dans Josué chapitre 1er. Dans verset 11. Au verset 11. Bah, il s'agit de bâtir ma provision. Il s'agit de bâtir ma provision. Parce qu'il va libérer Katis. Parce qu'il voulait traverser les gens. Pourquoi la chose est ainsi? Saisissez-moi bien. Au moins, ils sont de l'Exode 16. Vous voyez, si vous prenez l'Exode 16, la manne est envoyée pendant 6 jours. La manne descendait pendant 6 jours. Sixième jour, le sixième jour, ça va la provision. Parce que là, il compte ma manne en dessous. Pour le septième jour. Pour la consommer au septième jour. Maintenant, le Seigneur, mouvement, ça va dans le désert. On va dans le désert. Maintenant, le mouvement que le Seigneur accomplissait dans le désert. Maintenant, ça va expliquer, il y a vraiment la monnaie. Maintenant, le Seigneur voulait l'étendre. Allez leur expliquer que voyage mignon sur le désert. Il voulait leur expliquer que tout le voyage du désert est 6 jours. C'est comme le 6 jours. Maintenant, ma bénie au bas au soir. Maintenant, la terre du désert. C'est comme le 7e jour, les repos. Vous suivez attentivement. Sans vous comprendre, vous faut entendre Hébreu 4. Tu dois lire Hébreu 4 pour le comprendre. Hébreu 4, maintenant, ma bénie, ma bénie au bas. On appelait cette terre comme le repos même. Mon repos, c'est un jour appelé sabbat. Mon père, mes amis, mon colombo, mes amis, sabbat. J'ai pas mon idée avant ma côte à ma mère. C'est pourquoi, avant d'entrer dans ce pays, Josué 1, verset 11 intervient. Josué 1, 11 intervient. Pour ça, la provision.
Parce que vous voulez traverser. Arrêtez ma bénédiction comme il est dit. Septième. En réalité, ce pays devient comme le septième jour du sabbat. Nous comprenons la Bible. Nous comprenons la Bible. Josué 1, verset 11. Josué 1, verset 11. Il y a un moment pour expliquer qui bruit. C'est pourquoi on avait expliqué ceci. Tant que vous voulez que le 35e Exode 16. Lorsqu'on avait pris le verset 35 d'Exode 16. Israël a mangé la manne pendant 40 jours, 40 ans. Le fils allait d'aller qui m'a mis où tout couminé. Et allait même jusqu'à la frontière à Cana. Donc il a mangé la manne jusqu'aux frontières avant la traversée pour entrer dans Cana. Il y a votre total ici. C'est pourquoi on avait montré. Matthieu chapitre 11. On avait pris Matthieu chapitre 11. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 13, il y a Matthieu 11. Le verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ça. Ils ont mangé la manne jusqu'à la frontière. Il y a entrée à Cana. Il y a côte à Cana. Frontière, Mindelo, c'est Jean. Il y a côté de Baptiste. Terre à Cana, c'est Jésus-Christ. La loi prophétisée jusqu'à Jean. Maintenant, comme la frontière, maintenant arrivé aux frontières, et ça a dit provision. Il y avait la provision des bâtiments. Et quand on a Cana, on a provision. On rentre dans Cana avec les provisions des bâtiments. Ah, mais Jésus, Cana, Ayaki. Maintenant, même. Loi et Sarah. Même si Jésus était venu, mais la loi était toujours là. Aux autres, là, tu suis à provision était là. La provision était là. Que Dieu bénisse. Ah. Il y a beaucoup qui est dans le monde qui est dans le pacte et ça célébré. C'est pourquoi on dira que dans le pacte, c'est ça la vie. Selon Josué 5, verset 10. On a dit ça, Josué 5, la 10. 11. Et 11. La manne est la César. Manne est si la carte. Alors nous disons. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Christ a dit souk à la roupe. On a demandé l'œuvre de la croix. Et là nous voyons l'œuvre de la croix. Alors, tant que vous avez vu la croix, alors lorsqu'on a vu Christ notre Père qui est immolé, Christ au passe à la mission, à Josué 5, verset 11, il dit, ils commencèrent à manger les blés du pays. Josué 5, 11 dit, papa, t'as qui connaît à ma blé, il y a beau caca. Et tant que vous avez blés du pays, et lorsqu'il mangeait les blés du pays, selon verset, Exode 16, verset 32, 33 et 34, selon Exode 16, 32 à 34, l'ordonnance du Seigneur est là qu'il faut pas conserver manne na katia vase beaucoup bata arche. Il m'a dit que le mec qui va prendre manne na meki moko na katia sanou. Là dans Exode 16, dans Exode 16, dans le verset 32, 33, 34. C'est du verset 32, 33 et 34. Donc, à ta parole qui n'a terre, même si c'était entré dans la terre, manne ici, était manne ici là. Donc, comme il avait la blé, il n'avait que des blés. Amen. Amen. Mais man est ça. Mais il y avait la main. Mais man, on est là, témoignage. Man était pour le témoignage. En promesse. Le col est la cave. Et fan de la catapaz. Il est conservé dans le monde. Mais pas mon corps. Mais eux, mais la zone y a blé. Ils mangeaient les blés du pays. Ça, la main, la promesse. Mais il y a la main de la promesse. L'arche. Dans l'arche. C'est actuellement aujourd'hui. Ça dit qu'on est mon corps. Nous mangeons les blés du pays. Nous sommes là pour m'appeler. La parole à grâce. Mais il y a la main cachée. Parce que ça dit la main, on va bomba. La manne cachée, c'est les corps incorruptibles. Parce que manne, c'est un grain. Les grains, c'est un corps. Il y a un corps à l'homme dans 2 Corinthiens 5. Si même notre temple ici est détruit, nous avons un édifice. Un édifice éternel. Qui est présent. C'est ça la manne cachée. Mais nous mangeons les blés du pays. Donc celui qui est ici, parcours la mission. Alors si nous achevons notre parcours, nous allons recevoir la manne cachée. Donc pour dire qu'à ce corps corruptible, nous allons abandonner ce corps corruptible. On a corps incorruptible. Vous portez le corps qui ne peut. Et Dieu vous bénisse. Ça vous apporte la vie. Et pour nous dire qu'on a psaume 68. Et nous venons de
psaume 68, nous remarquons ici dans le psaume 68, il faut que tous les chants dans les Écritures, ils étaient les prophètes. Sont construits 1 Chronique 25. Vous prenez 1 Chronique 25. Le verset premier. Le verset premier. Il faut aimer la parole. C'est que le Midaniloba. C'est une bonne vie. Et ça dit bon moyen qui toque. Vie à parole. Bon moyen de l'Oba. Pour vous faire de la vanité. Tu ne vas pas rester là sur les vanités. Pour vous distraite. Tu ne seras pas distraite, ma soeur. N'entends pas verset premier nom de Jésus-Christ. Ah. 1 Chronique 5. David et le chef de l'armée mirent à part pour les services. David il peut m'apporter à Pika, Batia qui peut venir pour la Moussa. Ceux des fils d'Asaph. Bana Oya Asaph. Emma. Et de Jéditon. Mais à Jéditon. Qui prophétisait en sa compagnie de la harpe. Oyo Basara qui consacre la Pinda. D'élite, et de Sembal. Donc, il prophétisait. Asaph. Les Asaph prophétisent. David, sur Acte 2, verset 31. David, dans Acte 2, verset 30. L'Écriture nous confirme quand Pierre a été exposé. L'Écriture nous confirme dans l'exposé de Pierre. À le Bible, il dit ceci. Verset 29. Au verset 29. Oh frère! Qu'il me soit permis, et puis ça me ramène, Acte 2, verset 29 et 30, de vous dire librement au sujet du partage David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre qui existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais Nathalie, Acte 2, verset 30. Comme il était prophète. Le col à Salaka pour sa police. David était prophète. Ah oui, il y a ça là comme ça. Ça va? Donc, ma chambre, mon ami, c'était le prophète. Les chambres que tu vois dans la Bible étaient. Ah, j'ai dit tout. J'ai dit tout. Ma fils de Corée. Bané à Corée. Corée, dans la désert. Ce n'est pas les Corées rebelles du désert, non. Corée, pas un absurde. Corée, on n'a pas prophète. Ah, ça va? Tu vois, on a pour la même langue, ça oui. Leur chant était des prophéties. Alors, tant qu'on t'a pas psaume 68, et lorsque nous lisons psaume 68, il faut qu'il y ait un autre amour, il y ait des prophéties. Tu vas savoir que ce sont des prophéties en les lisant. Qu'aux hommes, on a pété qu'à la réalité. Il ne faut pas les prendre à la légère. Mais ça fait qu'il s'appuie à la mère. Mais ce sont des prophéties de Dieu. Ma carte d'amour, et dans tout cela, on va remarquer que. Avant d'aller l'éternel, tu vas remarquer qu'il montre l'éternel. Avant on va chanter dans le verset 5 plutôt. La manière la 5e carte. Le verset 5, Ésaïe, psaume 68. Chanter à Dieu. Célébrer son nom. Frayer les chemins à celui qui s'avance à travers les plaines. L'éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. On effrayait le chemin. Et effrayer le chemin, laissez-les. Les dieux qui s'avancent, à travers le plein. On peut demander son nom. On l'a appelé ta terre à la boutique. Un haut nom. Pourquoi il avait commencé par ces noms? Et ça d'abord en Égypte. C'est d'abord en Égypte. Bah, Jacob était en Égypte. Les enfants de Jacob étaient en Égypte. Bah, papa, Nyonson, en 12. Et tous ces pères-là, 12. Avec leur famille ensemble. En Égypte. Ils étaient en Égypte. Alors, bah, papa, Nyonson. Alors, tous ces pères-là, bah, ils étaient morts. Et lorsqu'ils sont morts, vous venez dire Ruben a couché. Prenez par exemple Ruben qui est mort. Éternellement. Cet éternel a commis la tribu à Ruben, père des orphelins. Il devient père des orphelins qui sont les fils de Ruben. Donc il a commis Ruben ressuscité. Il devient Ruben ressuscité. La tribu à Siméon. Dans la tribu de Siméon, Siméon était déjà mort. En Égypte. Il est venu.
Siméon ressuscité. Siméon Père des hommes. Ta terre a la boutique. Na Lévi, Lévi pas pour frère. Lévi aussi était mort. Il est venu là. A commis. Et il est devenu le père des orphelins de vie. Dans Juda. Dans Juda. Juda pas profité. Juda aussi un père était mort. Bah, il est orphelin. Ils étaient restés orphelins. Juda ressuscité. Il est venu comme Juda ressuscité. Donc il est mon nom qui éternel. L'éternel lui-même tel qu'il était. Ça sera dit père, mais ça tous père. Ça sera dit tata mon corps, mais ma zone qui n'a mis pas les. Ressuscité. Oui, à sécuit. Donc, son bébé est mort, son bébé Juda. C'est un certain qui s'appelle Juda, c'est lui-même l'éternel qui paraît. Son bébé Siméon. Mais Siméon lui-même qui apparaît. Dans le peuple, les hommes qui m'en Égypte, lorsque le peuple sera dans le désert, pour marcher dans le désert. Ma bébé est le père des enfants. Il est à terre à la vie. C'est comme ça son bébé. C'est comme ça qu'on appelle comme ça. T'as pas besoin de faire le chemin dans le désert. T'as pas besoin de faire la carte qui sauve. Donc, à ce qui perd, il y a dit. Qui Dieu bénisse. Amen. Ne va venir encore défenseur de vie. Fais mon bouddha, il n'y a pas si ma couffée la si pas si on a pas si la maman nous aura mon bain à et toutes ces femmes-là étaient des veuves. Qui Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a des avons protégé du bon tableau sur Israël. C'est lui qui faisait la défense de toutes les tribus d'Israël. Et ça va qui est l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Oh, mon amour, dans un yéme, là, on va y. Il a pas si bon. C'est malheureux. Pour ta zati, à combien ce qui se fait en prendre ça au fer. Même jusqu'à 70 ans, il est toujours en fer. Ah, frérot. Avant, on va pouvoir faire. Toujours sans surprise. Père des souverains, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Ils avaient tapé dans la connaissance. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Après sa calibre, on a baillé au Babouakam. Il délivre les captifs et les rangs errés. A Kambola Kabakanga, il y a comme ici, Babouba Tonissé. Tu vois ça? Et qui délivre les captifs. En cas de situation, il ne faut pas douter. C'est son rôle. Pour venir nous assister, toi et moi. Et à délivrer un cas de problème aux hommes. Et il t'a délivré dans le problème que tu as. Au fond, il y a un truc qui est un sacré à vos hommes. Et même pas là, il pensait que le Seigneur t'a oublié. Et nous, quand on est mes hommes à vos hommes, il y a une confiance à la parole dans la terre. La plus grande chose pour Dieu, c'est de mettre la confiance et la parole en toi. Non, ce qui est un des hommes, il y a un peu de temps. Tout ce qui reste, ce sont des petites choses. Ceux qui déjà aux hommes, si déjà tu crains le Seigneur, il y a mon aimé à moi. Et c'est ça la plus grande des choses. Si tu fuis le péché, et tu n'aimes pas le péché, c'est pénible. Réjouis-toi-même si tu manques de l'argent. Parce que ça n'a pas trop à la milliardaire, mais c'est un maudit. Parce qu'il y a des gens milliardaires, mais des maudits. Malédiction, ça va. Et la guérimade, ça dit. Quiconque n'observe pas la loi. Montrez-nous à son mauvais côté. Et maudit. À laquelle la maman. Trois avions. Tu pourras avoir trois avions. Pour laquelle la maman. Là, c'est la définition que j'ai dans les Saintes Écritures. Maudit, où est observé par le Dieu. À laquelle la maman. Mais aux autres, ça dit au matin. Nous en avons. Parce que nous, on se distrait à la route. Parce qu'il y a des choses qui distraient les gens. Parce qu'ils sont comme un homme et bien, il est béni. Il pense qu'il est béni s'il a beaucoup d'argent. Ouais, mais ça a des apparences. Là, ce sont des apparences. L'homme béni, c'est celui qui craint l'éternel. On doit pas pour la présence de Zobar dans Zambé. À ta Zambé, monsieur, pour ne pas dire que Zobar n'a pas été dans la carte de Nayo. Même si tu donnes l'argent sans te mettre la crainte de Dieu, ce n'est rien. Voilà, aligné. Là, le Seigneur ne t'aime pas. Ta Zambel. Le Seigneur. Ta Azoué en Israël. Lorsqu'il vient en Israël, Azoué Israël, il prend Israël, il appelle Israël terre promise. Il veut lui donner la terre promise.
Mais lui a dit, la montagne de Séhi aussi ma beauté ne la touche pas. De ce qui en haut, je l'ai donné au fils d'Ésaü. Montagne où il m'a fait ce qui en haut. Il dit cette montagne, je l'avais donné au fils de l'autre. Donc c'est que les gens n'ont pas tout sous la promesse dans il n'a pas la promesse avec Dieu. Mais le Seigneur lui a donné aussi quelque chose. J'ai dit dans Deutéronome. Il s'est écrit dans Deutéronome. La promesse était la tête d'Abraham. Et la tête, c'est là qu'il faut qu'il y ait. Mais parce que ça va trop en compte, parce que l'héritier de la promesse après. Mais on dit aux héritiers de la promesse. À sous-sauvé, la cabine, la loi, l'île, le roi, femme. J'ai aussi fait des dons à certaines personnes pour qu'ils y demeurent. Mais la tête, on a promis. Mais il ne les a pas comptés dans la promesse d'Abraham. Gaï, pour ça, rien n'a passé. Moi, ça va me faire mal. Les armes à l'amener pour sa maison. En toutes choses. Je vise le ciel. Quel que soit le monde à nous en assez. Quel que soit ce que je pourrais. J'ai besoin de l'adapter communion avec Dieu. Tout passera. La communion des appréciés. Tout ça, Dieu peut donner ça à mon café d'affaires. Et tout ça, le Seigneur peut le donner. J'ai besoin de retrouver la communion. La gloire de mon commandé lui donne ça à n'importe qui. La gloire du monde, le Seigneur le donne à n'importe qui. Lui prend même un pays après sa mort, on a même nom de rien. Lorsque Nebuchadnezzar louait le Seigneur dans les temps, alors il y a Capoyon, les plus fils des hommes. Le Seigneur sait bien qu'il n'y a pas la vie là-bas dans ce c'est ça Dieu. Dieu, Néa. Les amis, ça a été fait. Il sait que la vie n'est pas dans ce monde. À ça, il a d'abord autour. Et Pierre a l'obtenu même ma parole à ce qui. On dit, mon ami, c'est fini par la vie. Et si notre foi repose sur les choses de la terre, des vies humaines, nous sommes. Nous allons la foi de Christ est basée telle Nicolas a dit au matériel. La foi de Christ n'est pas basée sur les choses de la terre, sur l'argent, Nicolas mange terre, sur les habits, Nicolas mit la main, sur les maisons, sur toutes ces choses de la terre. Non frère, Nicolas a dit avant même Christ a offert ces choses-là. Avant l'œuvre de la croix de Christ. Jésus t'a voyé. Lorsque Jésus est venu, il a un homme riche. Il avait croisé des hommes riches. Il était riche. Ça a dit, mais à coup de l'image. Il a croisé Jésus. Jésus l'a prêché. Il soit à elle. Il y a des gens qui sont riches qui n'ont pas cru à Jésus. Ils arrivent à votre monsieur va nous dire. Sont là. Mais si nous ne savions pas à Christ, ce n'est pas d'abord l'argent. Notre but, les animaux n'ont pas mon terre. C'est la vie éternelle. Et donc, nous sommes que ça pour moi à Seigneur. C'est la vie de Dieu. Les animaux pour moi à Zambé. Et que nous vivre la nature divine. Compris que la nourriture à mon Zambé. C'est ce qui est important. Il y a bon des animaux, tu es à tous les cas. Pour nous. Pour la vie. Si Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. À continuer, il délivre les captifs et les rend heureux. Là, dans le verset 7e, il y a psaume 68. Les rebelles seuls habitent dans le lieu aride. Verset 8. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fondirent devant Dieu. Les Sinaïs s'ébranlent devant Dieu. Les dieux d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante au Dieu. Et c'était la main lorsqu'elle est descendue. La parole t'a guéri. Lorsque la parole est descendue. L'écriture est venue au verset 10e. L'écriture rappelle au verset 10. La pluie bienfaisante. Moula et qui tombe ma case. Il fortifia ton héritage et plus. Verset 11. Ton peuple est
établit sa demeure dans le pays. Déjà verset au tout premier lien à Josué. Déjà ce verset c'est du temps de Josué. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'il s'est établi. Parce qu'ils se sont établis dans le que par ta bonté, oh Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Donc, on va s'établir, c'est qui maintenant dans le pays. Et depuis qu'ils s'étaient établis dans le pays, le Seigneur dit une parole. Là, il y a une sacrée œuvre de la croix. Et c'est la parole de l'œuvre de la croix. Donc, depuis que Bayani s'est établi dans le pays, depuis qu'ils s'étaient établis dans le pays, le Seigneur dit le Seigneur a envoyé une parole. Il fallait que le Seigneur puisse dire une parole. Et quand vous avez parlé la parole, et lorsque le Seigneur va parler la parole, ma messager ne faut pas la manifester. Ma messager n'a pas si le Seigneur va dire. Dire une parole sur l'ordre de la croix. Pour nous parler de la mort, nous allons aller pour nous. Les messagers de bonne nouvelle, ma messager n'a pas si c'est l'Église. Les amis Église. Na katena ko ba Pierre, ba Jean, ba Jacques, ba Théon, les apôtres, tous les pasteurs, ba prédicateurs, ba sanctons, ba novices. Oui, te banga, ba te ba sanaloko la bana misale ya pasi ba sunga ka bana ya basi ya konzi la bawa ya basi. Ah, donc ba zo minisa. Donc elle allait, elle allait. Donc ba messager, eux, ce sont des prédicateurs. Ba minisa ou ya pasi eux. Après l'œuvre de la croix. Ma messager à bonne nouvelle se manifeste. Les messagers de la bonne nouvelle se manifestent. Et ne m'abandonnez que les faux ça la situation ici. Cela ne veut pas dire qu'on va se lier chez maman là une con. Non. Là c'était une confusion. Quand les animaux boulou. Maintenant ça continue. Les rois des armées fuient. Puis ma condi à ma pinga la zoki. Parce que malheureusement que les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Bas à lui ma pinga monnaie. C'est le temps où le Seigneur nous a donné l'autorité. À côté des ménages, ça n'a rien sur la police. De résister toute œuvre de ténèbres. Parce que, peuple d'Israël, oui, tu dis bon, t'as l'Israël. Dans l'œuvre, l'œuvre, il n'y a pas que ça ne manque en Égypte. Lorsque la Pâque fut célébrée en Égypte, appelle la parole à Mazonima, l'armée de Dieu. En sortant, on les appelait ma pinga et Nzambe. Ils ont dit une armée. Ils ont dit ma pinga, mon bima, mon bima, mon bima. Donc, par l'homme qui m'a pillé. Donc, ils ont vaincu et ils sont. Et Dieu répète toujours. Ça fait abandonner la tata. La Pâque, 1 Corinthiens 5, 7, il dit l'œuvre de la croix. La Pâque est définie comme l'œuvre de la croix, la 1 Corinthiens 5, 7. Après cette œuvre de la croix, il y a la grande armée qui s'est établie. C'est l'Église. Les alliés Église ensemble. C'est par l'Église qu'on connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Les alliés Église. L'autorité du Seigneur qui frappe dans l'église. Il y a encore les amis d'église. L'église est une grande armée. L'église des amis m'a pinta mon nez. Oh, l'ennemi a beaucoup à mon tête. Que l'ennemi ne doit jamais renverser. Parce que la Bible le dit. Parce que la Bible dit. Si c'est roc, je vais tirer mon église. Il faudra pas remonter l'ennemi à côté de l'église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ma porte, ça va pas pouvoir. Les portes sont des pouvoirs. Et pour dominer, tu es pour l'église. Et pour consacrer pour l'église. L'église a sa victoire. L'église a sa vie longue. Maintenant, écoute ce qu'on dit. Après l'étape, il y a ma messagère. Nassima. Il y a l'étape qui a la messagerie. Les rois des armées fuient. Ma conza ma pinga va s'en aller. Fuient. Parce que qui m'a. Alors, ils ont présenté le sixième saut. Ici, on nous parle du sixième saut. Ils ont présenté le jugement de l'église afin de juger la terre. Au jugement, comment le Seigneur va juger la terre. Comment le Seigneur va juger le royaume de la terre. Et comment le Seigneur va juger le royaume de la terre. Et le royaume de la terre est imprenable. Donc, quand nous avons jugé la loi de la terre, lorsque le Seigneur viendra exercer le jugement sur et celle qui reste à la maison partage les bitaines. Celui qui restera à la maison, c'est Israël. Parce que Israël a besoin qu'il a la foi en temps. Parce que Israël va retourner à la foi en ses temps. À vous croire au Messie. Il va croire au Messie. Et à vous partager les bitaines. Va partager à tout le monde à bruit pour notre voix penser je pense seulement pour
comprendre le conseil du texte. Il faut savoir que le psaume 68 c'est la lecture de toute la Bible. La lecture de toute la prophétie biblique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur juge le roi de la terre, a jugé le roi de la terre à Sissi, lorsqu'il a fini son jugement, tandis que vous reposez au milieu des états, pourquoi on a mis cette écriture? La Bible, dans la Bible. Manger représente aussi la victoire. Caleb et Josué à leur retour. Dans les 10 espions, lorsque les 10 espions frères avaient découragé le peuple. En nombre 14. En nombre 14. Verset 9. À partir du verset 9. Caleb et Josué ont dit. Caleb et Josué ont dit, si Dieu nous est favorable, ce qu'ils avaient à salir malade pour la mission. Ma nation va pour servir pour la mission de battre. Nous allons les manger. Donc manger représente remporter la victoire ou dominer. C'est pourquoi tu vas remarquer Jean-Baptiste. Il était un fils de sacrificateur. La raison du sacrificateur n'a pas de viande. En Israël, frère, combien d'offrandes reçoivent-ils? Combien de sacrifices? Mais il a laissé la machine. Il s'est rendu dans le désert. Il s'est mixé de son frère. Il ôtait ce qui tourmentait là. Il mangeait les sauterelles. Vous voyez ce mouvement? Cela parlait de l'esprit qu'il avait. Et qu'au vent les sauterelles. Et qu'au long de la manière de ma banque. Les sauterelles qu'il mangeait, c'était le signe de l'armée qui dominait la terre en ces temps. Donc il présentait l'empire romain. Parce que Joël 1 est présenté comme armée à terre comme des souterrains. Parce que Joël présente les armées de la terre comme des souterrains. Même Juge 6. Même Juge chapitre 6. Verset 5 et 6. Au verset 5 et 6. Parce qu'on présente les armées à terre comme des souterrains. On présente les armées des nations comme des souterrains. Maintenant, l'esprit qui était dans Jean-Baptiste, si vous lisez la Bible, c'est l'esprit, Elisabeth, mon père, Star d'Israël, sa cavalerie. Cet esprit-là, c'est toute une armée. C'est toute une armée. Définition de Jean, Mikalo, Israël. Alors, cet esprit-là, mon livre, c'est que il y a moins de ceux qui continuent. Donc, si vous recevez cet esprit, il n'y a pas d'arbre. Mais il n'y a pas d'arbre. Il y a moins de convaincre les souterrains. Il va vaincre les souterrains qui vous dérangent. Parce que ma prophète, ma salaka, ma signe. Oui, que ma symphonie, ma salaka, qui les mots. Si on comprend le mouvement prophète, si tu comprends le mouvement des prophètes, si le comique, c'est fini, tu seras sauvé. Et pas Israël, Zahinéwa. C'était comme ça en Israël. Tu vas comprendre peut-être si. S'il ne comprend pas ce mouvement, c'est fini. Il y a moins Jésus qui va moquer. C'est pourquoi Jésus leur avait dit. Voilà pourquoi il y a Jean-Baptiste. Comme vous avez rejeté Jean-Baptiste, il a dit dans vous avez rendu à votre égard la volonté de Dieu nulle. Bino, vous comme ici, vous aussi, vous allez vous calmer à taper la tine à la bino. Donc, à nous, c'est pour moi qui Jean. Donc, si vous aviez reçu Jean pour notre victoire, vous aurez à voir. C'est pourquoi il sait qu'il va m'en matière 13. Oui. C'est pourquoi il a venu dans Matthieu 13. On donnera à celui qui a. À couper sa main à quoi il y a sa ligne dans l'amour. À celui qui n'a pas. Montez à sa ligne. On notera même ce qu'il a. À qu'on soit tant quoi il y a sa ligne dans l'amour. Et ça, français, on va pas. C'est un français très difficile à comprendre. À tout changer, on a balancé. Même si ça change dans toutes les langues, c'est toujours difficile. À celui qui n'a pas, n'a monté à Zaki, on notera. Bah, on soit qu'à ce qu'il n'a pas. Bah, on monte la caille à Zaki. Alors, on met la que je le dise en Italie. À Oya Zaki, à celui qui n'a pas, bah, on notera Oya Zaki, ce qu'il a. Dans toutes les langues, c'est toujours difficile à comprendre.